La ville propose une nouvelle gamme de produits mettant en valeur l'image de Blois. La création des visuels a été confiée à Mathieu Persan, un illustrateur reconnu pour ses affiches et couvertures de livres. Alors, être illustrateur, c'est donner une image à un contenu qui ne m'appartient pas. Le contenu, ça peut être un livre, ça peut être un article de journal, ça peut être un événement, ça peut être un lieu. Et mon travail, c'est de faire une image, de lui donner une image. Qu'est-ce qui t'a amené à exercer ce métier ? Oh, c'est une très longue histoire. J'ai été pendant très longtemps dans l'informatique. Parce que j'avais fait des études de maths et c'était vraiment un milieu qui ne m'intéressait pas. Et je suis tombé dans l'illustration un peu par hasard. J'y suis venu un peu avec les outils finalement, en utilisant les outils de dessin informatique. Moi, j'ai pas honte de dire que je ne sais pas très bien dessiner avec un crayon. Et aujourd'hui, c'est l'avantage, c'est qu'il existe des technologies, tout un tas de technologies qui permettent à tout un chacun de s'essayer au design graphique, à l'illustration, sans toutefois être un expert. Je fais souvent la comparaison entre un premier prix de conservatoire en violon et puis un musicien électronique, c'est un peu la même chose. Quelles sources d'inspiration ont nourri ton style ? Moi, ce qui me plaît, ce qui m'a tout de suite touché, c'est le design des affiches des années 30 ou des années 40, voire années 50. Enfin, surtout la partie art déco avec beaucoup de grains, beaucoup de textures. C'est un design qui me touche. Et surtout dans la construction graphique qui est quasi scientifique, avec vraiment des lignes droites, des choses assez simples, des visuels qui sont toujours très impactants. Et c'est toujours ça qui m'a plu. Ouais. Tu as créé 7 visuels pour la ville de Blois. Comment est né ce projet ? Donc j'ai été contacté directement par la ville de Blois qui avait ce projet-là, qui avait vu mon travail et qui recherchait cet esprit-là. Donc je suis venu, on s'est rencontrés, on s'est promené dans toute la ville, on m'a raconté plein de choses, on a fait plein de photos. Et puis ensuite, on a débriefé sur les photos qu'on avait prises, sur les lieux qui étaient les plus intéressants, et puis sur les angles de vue qui permettaient de mettre en valeur au mieux le patrimoine, quitte à avoir plusieurs choses. Voilà, j'ai eu l'immense chance de pouvoir aller sur le toit du château pour avoir une vue que personne ne peut avoir quasiment. Mais c'était assez génial, je dois dire. Est-ce que l'une de ces illustrations t'a donné du fil à retordre ? Elles étaient toutes un peu compliquées, tout simplement parce que c'est des vieux bâtiments, et les vieux bâtiments, les gens aimaient faire les choses avec beaucoup de détails. Celle de la tour du château n'était pas simple parce qu'il y a une perspective, il y avait beaucoup de détails, des frises, des balcons, des fenêtres, donc ça c'était pas simple. Après, c'est toujours pareil, il y a quand même la satisfaction quand on a beaucoup travaillé de voir l'image se dégager et de se dire qu'on a vraiment été fidèle et qu'on a rendu hommage à ces centaines de gens qui ont travaillé pendant des centaines d'années pour construire ça. Et il y a quelque chose d'assez touchant de dessiner au plus près, même si sur le coup c'est quand même c'est compliqué, ça reste quand même un bel hommage. Retrouvez dès à présent l'ensemble de la gamme Biblois dans les boutiques du château et des Émaux de Blois.